Passer à un régime alimentaire hyperglucidique, hein, c'est-à-dire une prédominance des glucides pour augmenter, voire doubler votre stock de glycogène musculaire et hépatique. Alors le glycogène, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont en gros, ce sera le carburant de vos muscles à l'effort. Alors attention tout de même à ne pas trop surcharger votre système digestif en féculents, pâtes, riz, semoule, etc. Puisque un trop plein de féculents demande un effort digestif supplémentaire et un gaspillage énergétique par la suite. Alors, le petit déjeuner doit se composer essentiellement de protéines et de glucides, hein, de sucre lent notamment. Donc, vous pouvez consommer plusieurs tartines de pain avec une à deux tranches de jambon dégraissé décoinées. Pas qu'il y ait trop de matière grasse, trop de lipides, hein, cela rallonge le temps de digestion. On déconseille également les aliments qui sont riches en fibres. Hein. Les fibres vont être irritantes et vont effectivement augmenter également le temps de digestion. Le repas du midi doit être digeste, doit être énergétique. Évitez les aliments qui sont trop fibreux, les plats à goût fort, les plats trop épicés. Attention aux produits laitiers, ça c'est pareil, c'est selon la tolérance personnelle de chacun. Pas d'alcool, les jus de fruits sont également trop acides, donc à proscrire pour le moment. Moi je vous conseille tout simplement de partir sur des protéines animales maigres. Vous pouvez prendre de la volaille, du poisson, etc. que vous accompagnez avec un petit peu de légumes cuits et un petit peu de féculents. Vous faites moitié-moitié à peu près dans l'assiette. S'ensuit, si vous voulez, un produit laitier, si ça passe bien, notamment un riz au lait, une semoule de lait, etc.